Yo, c'est tout le monde, c'est Proz et aujourd'hui on se retrouve pour notre ouverture de ravitaillement en live numéro 4. Donc la semaine passée j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas rentré assez de clips. J'ai eu quoi le vendredi pour jouer parce qu'après ça j'étais chez mon père donc j'ai pas pu jouer parce que j'avais pas ma Xbox. Mais j'ai pas autant de clips que d'habitude dans celui-ci, mais j'ai beaucoup de ravitaillement, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Sinon eh bien je vous laisse la vidéo tout le monde. Ok, c'est bon tout le monde, on a 3 ravitaillements donc let's go, on va essayer de, s'il vous plaît, avoir quelque chose de bon. Donc le premier ravitaillement, qu'est-ce qu'on a avoir? Des pantalons. C'est tout. Une superbe belle paire de pantalons professionnels. On a eu un casque que j'ai eu au moins de 50 fois, mais c'est bon, il est quand même en hélice, ça va me faire un peu d'XP. Et le dernier, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Le bouclier Nugget. C'est comme des croquettes de poulet, mais c'est un bouclier, donc encore comme d'habitude, juste de la merde. Alors on se retrouve avec cette fois-ci 2 autres ravitaillements, donc on espère avoir quelque chose comme cette fois-ci d'habitude. Un costume royauté, ce serait bien, ou le docteur comme d'habitude, ce fameux docteur. Alors on lance le premier ravitaillement, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, un superbe care package et un atlas. Bon, on s'en fout un peu, alors on va lancer le deuxième. Un peu plus de chance sur là, s'il vous plaît. Oh, je déteste quand je reçois juste un casque, putain! Ok, 2 autres ravitaillements, les boys, let's go! Qu'est-ce qu'on a dans le premier? Come on, quelque chose de bon, je vous en prie! Oh non, ça s'annonce pas bien. Eh oui, c'est vraiment... J'ai juste une paire de souliers et un cap racket, c'est pas grave. Allez, allez! Yeah, quelque chose d'élite, qu'est-ce que c'est? Le sac Blood and Glory. Je connais pas cette arme-là, mais c'est déjà quelque chose d'élite, fait que c'est bien. Surtout le problème avec le Free For All, comme j'ai dit au début de Advanced Warfare, j'avais la facilité un peu parce que je jouais tout le temps en Free For All, j'étais habitué de jouer en Free For All. Et oui, la quad feed, yes, let's go! Wouh, free kill en plus de ça, nice, yes! Ok, c'est bon, on a un autre ravitaillement tout le monde, donc on va aller l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on va avoir, s'il vous plaît, quelque chose de bon? Allez, come on! Ah bon, on n'a rien eu vraiment d'important, hein? Ok, c'est bon! Un autre ravitaillement, tout le monde, let's go! S'il vous plaît, je veux avoir une chose de bon, quelque chose d'élite qui va être le fun à avoir, s'il vous plaît! Un care package, oh, un S12! Bon, on a quand même eu 2 trucs élites, un c'est un care package, mais l'autre c'est un S12. Il a quand même l'air bien. C'est cool, parfait, c'est quand même une arme élite, merci.